Now I'm really pissed off. Let's rock. Hello guys, Lapkind speaking. Normally I should post this on my Lapkind the Orthodox channel because basically I'll be ranting on the news in a way, but since I'm going to also talk about conspiracies, I might as well, you know, post this on my Lapkind 77 channel. So here it is. I want to talk about the Tea Party today. And recently there's been a lot of about this, you know, movement in the French newspapers. Very interesting. So let's start off with, you know, little reminding people. The Tea Party movement was created in 2009 and, you know, takes its name from the Boston Tea Party, which in 1773 marked the uprising of the 13 American colonies from, you know, London, you know, the United Kingdom. And TEA is an acronym for Tax Enough Already. So basically, the Tea Party movement is composed of two groups, Tea Party Patriots and Tea Party Nation. The group 912 Project, founded by Glenn Beck, who's a, you know, who's on Fox News, gives a homage to the national unity of the aftermath of 9/11. It's also a reference to the great ultra-conservative protest at Washington at the 12th September 2009. So here, I'm done with the presentation, and I want to talk about this because recently I've just stumbled upon an article on the net for French newspapers, which the newspaper on itself is Courrier International, which in its turn references an article from New York Times that compared the Tea Party to the French movement of Poujadisme. And I have to admit that I knew nothing of Poujadisme until it mentioned it. And apparently, you know what, just check Poujadisme on Wikipedia. I think it might be interesting. And I wanted to also to talk about it because I recently stumbled upon an article in French that I'm going to read to you. And, you know, because I also want to check my subsystem when I'll gain 6 more subscribers and which reach 150 subs and, you know, do my video where I answer questions that are short, and I don't have much of them, so ask your questions, people. Anyways, let's check if the sub system is okay. Great. Okay, let's start. It's an article from Courrier International. Here we go. États-Unis. La théorie du complot fait un retour en force aux États-Unis. Avec une nouvelle croyance, le gouvernement américain se prépare à emprisonner des millions d'opposants, explique Intelligence Report. La vraie rumeur sur les faux camps de détention. À première vue, la Maxwell Air Force Base en Alabama est un complexe militaire comme un autre. Pourtant, de sinistres projets s'y préparent. Bientôt, si cela n'est pas déjà en cours, des citoyens américains respectueux des lois seront arrêtés et enfermés là. Pour preuve, les panneaux de circulation situés près du camp pour orienter les camions de l'Agence américaine de sécurité civile, Federal Emergency Management Agency, FEMA, to, you know, simplify things, qui intervient généralement lors de désastres, par exemple lors du passage de l'ouragan Katrina. Cette base aérienne n'est qu'un des 800 camps de détention, au bas mot, mis en place par un gouvernement qui a perdu la raison. C'est en tout cas ce dont sont persuadés un nombre croissant d'Américains. La peur de voir le gouvernement invoquer une menace imaginaire pour instaurer la loi martiale et confiner les patriotes dissidents dans des camps de concentration est en train de se répandre dans le pays tandis que la droite radicale fait son retour. L'année dernière, le commentateur de Fox News, Glenn Beck, a consacré 3 émissions à cette théorie pour tenter de la déboulonner, mais en vain.
Beaucoup de ces camps supposés seraient situés sur des bases militaires aux quatre coins du pays. Les conspirationnistes issus de la droite radicale affirment que la présence de voies ferrées et de pistes d'atterrissage à proximité est la preuve qu'un camp y est prévu, car cela permettrait d'y amener les prisonniers. Jack McLamb, un policier de Phoenix à la retraite qui professe depuis longtemps la théorie conspirationniste du mouvement patriote, a été jusque affirmé que le gouvernement avait marqué les boîtes aux lettres de discrets points colorés de façon que, le jour où la loi martiale serait décrétée, les troupes étrangères, au service du nouvel ordre mondial, sachent quoi faire des personnes logeant à telle ou telle adresse. Ces histoires à propos des camps de la FEMA ne datent pas d'hier en fait. Il y a une trentaine d'années, en 1982, une lettre d'information du groupe antisémite d'extrême droite, Posse Comitatus, I think it's the name looks like Latin, so I'm saying it kind of Latin, avertissait déjà que les patriotes authentiques seraient enfermés dans des camps de détention. S'ils parlaient beaucoup des camps pour civils, les conspirationnistes sont extrêmement vagues sur les détails. Leur liste de sites ne donne souvent rien d'autre que le nom d'une base militaire ou d'une installation du même genre. Un camp de détention déjà en service ou susceptible de le devenir serait celui de Fort Chaffee dans l'Arkansas. Cette ancienne base de l'armée américaine a été transférée à la garde nationale militaire en 1997 et sert aujourd'hui de centre d'entraînement. Au cours des dernières années, des terrains appartenant à la base ont été réquisitionnés pour être transformés en terrains à bâtir. « Ça nous fait bien rigoler », affirme le capitaine Chris Hethscott de la garde nationale de l'Arkansas, un corps de réservistes qui relève à la fois des autorités de l'Arkansas et du gouvernement fédéral. Pour croire à l'existence des camps de détention de la FEMA, il faut supposer que personne n'a jamais réussi à s'évader de l'un d'entre eux et à raconter son histoire. Il faut également admettre qu'aucun des employés censés travailler dans ces nombreux camps n'a jamais soufflé mot de son travail. Il faut enfin croire qu'aucun des 100 sénateurs et des 435 congressistes, ne connaît l'existence de ces camps. Mais les patriotes et autres tenants de la théorie du complot, qui sont récemment sortis de la marge pour diffuser leurs idées dans les rangs du mouvement Tea Party, et ceux d'autres groupes populistes ou nativistes, croient tout cela, et le croient fermement. Lorsque Glenn Beck a fini par reconnaître qu'il n'existait aucune preuve de l'existence de camps, le commentateur radiophonique conspirationniste Alex Jones a exprimé sa colère en déversant un tombereau d'insultes sur l'animateur, le qualifiant, entre autres, d'agent manipulé, de gros dégueulasse et de pauvre merde. So, as you can see with this article, I want to use this as an opportunity to all of you, mostly Americans, a question. Two questions. What do you think of the Tea Party? And second, is it imploding? This is why I thought that, you know, comparing it to the Pujadist movement was interesting. Tell me your thoughts, guys, and God bless you. See ya.